Rome, palais du Chigi. Giorgia Meloni fait son entrée dans le siège du gouvernement, à deux pas du Parlement, aux côtés de son prédécesseur, Mario Draghi. Le protocole est respecté. Il lui remet la clochette dévolue au chef de l'exécutif pour réguler les débats en Conseil des ministres. Un geste symbolique qui officialise une passation de pouvoir et ouvre une page nouvelle de l'histoire du pays. L'Italie est désormais gouvernée par une femme, à la tête d'un parti post-fasciste. S'ensuit un premier conseil des ministres pour un exécutif basé sur une coalition hétéroclite qui réunit centre-droit, extrême-droite et populiste. Parmi ses objectifs, rassurer les partenaires de Rome pour ne pas risquer de mettre en péril les fondamentaux économiques du pays qui compte le deuxième ratio de dette le plus élevé de la zone euro, juste derrière la Grèce.